Et le vainqueur qui a privé Bernard Mateka d'un cinquième sacre sur le 10 km. Tess Feifel, comment c'était? C'était super, après un mois de mon marathon de Berlin. 2h13. 2h13, exactement. Ah, je ne pensais pas courir presque 28 59 ou 29 00. J'avais le bon 60 depuis le début, j'ai pris le risque, donc j'ai pris l'initiative. Finalement, je suis arrivé juste devant Bernard Mateka. On t'appelle le lièvre de luxe d'Hélène Bekele-Tola, c'est un peu ça, hein? On peut dire ça, oui, on est partenaire d'entraînement. Voilà, je l'aide deux fois à l'entraînement. Du coup, je suis fier aussi pour elle qu'elle a fait son meilleur temps. Après un mois de marathon et mort à Fribourg, évidemment. Je suis content pour elle. Ouais. 30 minutes 46 pour elle, et toi c'était 29-01, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 29-00 ou je sais pas, 28-59, je sais pas vraiment. On te verra sur le circuit de course. Évidemment. On se réjouit alors. Ouais, je serai là. Merci. Tess Feifel-Felle, Érythrée, très jeune voix.